Une histoire passionnante à travers les âges. L'histoire et la richesse exceptionnelle du patrimoine de la ville de Troyes se découvrent pas à pas au détour des rues, des places, des cours. Parmi toutes les villes de France qui ont conservé un bâti en bois, Troyes est certainement celle qui a le patrimoine le plus important, le mieux sauvegardé et valorisé dans son cœur. La ville contemporaine est donc l'héritière directe de la cité médiévale qui a donné au cœur historique sa forme si caractéristique du bouchon de Champagne. Nous sommes devant l'emplacement de la maison natale de Marguerite, démolie en 1977. La famille Bourgeois était locataire de la maison, qui datait du XIIIe siècle. De sa fenêtre, Marguerite voyait la Belle Croix, monument reconstruit en 1585 après avoir été détruit par un ouragan en 1584. Elle fut démolie sous la Révolution en 1792 pour en récupérer le métal. On attribuait des propriétés miraculeuses à ce monument. Abraham Bourgeois était maître chandelier, tout comme son père Sadoc Bourgeois, et grand monnayeur à la monnaie de Troyes. Sa boutique était située au 19 bis de la Grande Rue, aujourd'hui place Alexandre Israël. Dans cette boutique, M. Bourgeois vendait des chandelles de suif de bœuf et de mouton, dont il s'approvisionnait aux boucheries, aujourd'hui place Maréchal Foch. Il vendait aussi des onguents et autres graisses, des huiles diverses, des mèches à brûler, des légumes secs et des graines, des verres et cristaux, des poteries, des ouvrages de faïence et de porcelaine, des objets en bois tels que sabots, pelles, écuelles, seaux, battes, boîtes et ouvrages tournés, des chaises en paille ou en jonc, de la vannerie, des teintures. Continuons notre marche vers la rue Mollet. Ce qui nous frappe, une inscription sur la poutre de la maison de Serge, 1609. Le grand-père paternel de Marguerite, Sadoc Bourgeois, avait sa boutique de chandelles. Suite à l'incendie de 1524, cette maison a été reconstruite avec les mêmes matériaux et terminé en 1609. Cette date nous rappelle le mariage des parents de Marguerite. Nous voilà dans le quartier Saint-Jean. Ce quartier fut au Moyen-Âge le quartier le plus animé et le plus bruyant de Troyes. Il n'existe que des ruelles étroites, peu praticables aux voitures à cheval. Cette rue, anciennement rue de la Ganterie, est très fréquentée par le commerce. Le long de l'église Saint-Jean, une bande de terrain assez large séparait l'église de la rue Mollet. Deux fois par an, aux foires de la Saint-Jean, le 24 juin, et de la Saint-Rémy, le 1er octobre, ces places se couvraient d'étals et de logettes, et les marchands venaient y débiter de la mercerie, de la ganterie et de l'orfèvrerie. Ils construisaient chaque fois leurs boutiques, et à leur départ, ils les abattaient jusqu'à la foire suivante. Allons plus loin, devant la façade de l'église Saint-Jean. À l'époque de Marguerite, nous y entrions comme dans un couloir, en raison des commerces de chaque côté de l'entrée. Lisons la plaque identifiant Marguerite Bourgeois, son œuvre, sa béatification, sa canonisation et l'appréciation de Chaumedey de Maisonneuve, qui s'adresse à Mademoiselle Mance,
à l'arrivée de Marguerite à Québec, le 22 septembre 1653. Marguerite Bourgeois est baptisée le jour de sa naissance, le 17 avril 1620, tout à côté de la maison familiale. C'est le vendredi saint, par conséquent, aucune cloche n'a sonné. L'église est de la première moitié du XIIIe siècle. Elle remplace la précédente des XIe et XIIe siècles. Elle sera affectée par l'incendie de 1524. Elle est confiée au patronage de Saint-Jean-Baptiste. En entrant dans l'église, ce qui surprend le plus, c'est sa forme très particulière. Longue, propice à des processions, elle prend tout l'espace que lui laisse la rue. Une statue de Marguerite Bourgeois et les enfants, œuvre de Madame Geneviève Bourdet, a été dévoilée lors des fêtes de la canonisation, le 4 novembre 1982, par Monseigneur André Fauché, alors évêque de Troyes. À gauche, en entrant, au pied du pilier gauche, nous pouvons admirer et même vénérer les fonts baptismaux sur lesquels Marguerite a été baptisée et qui sert actuellement de bénitier. Continuons notre visite dans l'église Saint-Jean, si chère à la congrégation de Notre-Dame. Tout près de la statue de la Visitation, 1520, c'est ici, particulièrement, que Marguerite aimait venir prier et, peut-être, supplier la Vierge Marie dans un moment de contemplation. Marguerite a su graver cette statue dans son cœur et a reçu l'inspiration d'honorer la vie voyagère de Marie visitant sa cousine Élisabeth. Et c'est cet héritage spirituel que Marguerite a transmis à ses chères filles. Au détour d'un pilier, au fond de l'église, nous nous approchons d'un escalier. C'est celui de la maison natale de Marguerite qui a été démolie en 1977. Imaginons Marguerite, le montant et le descendant avec la fougue de sa jeunesse. En sortant, vous êtes place du marché au pain, lieu important au temps des foires de Champagne. C'est là qu'Abraham Bourgeois est décédé subitement en 1651, alors que Marguerite avait 31 ans. Il venait de quitter son domicile et sa boutique pour aller voir un client. Dans ses écrits, Marguerite nous dit
avoir eu la consolation d'assister son père dans les derniers moments de sa vie. Abraham Bourgeois était maître chandelier et grand monnayeur à la monnaie de Troyes, pendant les foires de champagne qui se tenaient deux fois par an. Il était habitué à ce lieu puisque c'est sur cette place qu'il installait sa table et son banc, d'où le mot « banquier », pour faire l'échange de la monnaie dans un temps où il n'y avait pas encore la monnaie unique en Europe. Revenons sur nos pas en empruntant la rue Urbain IV, le long de l'église Saint-Jean. Au passage, admirons le puits qui a fait le bonheur de bien des familles au temps de Marguerite. En effet, le puits permettait d'être alimenté en eau potable. C'était aussi un lieu de rassemblement et de parole où toutes les nouvelles étaient diffusées. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir profiter pleinement de cette eau qui sort du robinet et que l'on met en valeur dans une belle bouteille toute décorée à la ville de Troyes. Richesse de notre patrimoine. Nous arrivons place de l'Hôtel de Ville. Regardons la partie centrale de la mairie de Troyes, commencée en 1624. Marguerite l'a vue en construction. Mais, à son départ en 1653, les travaux n'en étaient qu'à ses débuts. Ce n'est qu'en 1670 que le bâtiment a été terminé. Elle en a donc vu l'achèvement lors de son voyage en France en 1670-1672. Il s'agit d'une façade classique à colonnade, pilastres corinthiens supportant des doubles colonnes de marbre noir, style Louis XIII. À remarquer sur l'aile droite de l'hôtel de ville, une plaque de bronze offerte en 1947 en souvenir reconnaissant de l'œuvre de Paul de Chaumedey de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie, en 1642. Sur le fronton de la maison commune, appelée comme cela depuis la Révolution française, nous pouvons lire la devise exacte et complète de la France. Unité indivisible de la République. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Au temps de Marguerite, à la place de la statue de la Minerve casquée, il y avait la statue de Louis XIV, enlevée à la Révolution française. Encore elle. Continuons notre chemin vers la place de la Libération en descendant par la rue Georges Clémenceau. Nous arrivons sur le parvis de la basilique Saint-Urbain, commencée en 1262, sur l'emplacement de l'échoppe de Savetier, du père du pape Urbain IV. À l'époque de Marguerite, cette église était une collégiale dirigée par des chanoines. Elle est devenue basilique mineure depuis 1964. En y entrant, admirons la légèreté de l'architecture gothique et ses proportions harmonieuses. La statue de la Vierge aux raisins et d'autres œuvres remarquables. Cette statue représente Marie portant Jésus, debout sur un croissant de lune symbolisant l'Immaculée Conception. Posée sur la main de Marie, un oiseau, apparenté à la colombe du Saint-Esprit, picore du raisin en référence à l'épisode de la Passion. Il est aussi fait allusion à l'incarnation lorsque Marie tient le pied gauche de son fils.
La bordure du manteau est digne d'un travail d'orfèvre. Le symbole d'une église érigée en basilique est le pavillon. Celui de la basilique Saint-Urbain y a été installé récemment, comme on peut le voir sur cette photo. Cet élément de mobilier, datant du XVe siècle, se trouve dans la basilique depuis le début du XIXe siècle. En effet, cette cuve était autrefois dans l'église paroissiale Saint-Jacques aux Nonnains, vendue sous la Révolution, puis détruite. Ce fut le cas de cette cuve baptismale, octogonale, retrouvée dans une cour troyenne, faisant office de margelle de puits, ayant subi des dégradations, ce qui explique son état actuel. Il est difficile d'identifier l'ensemble des personnages, mais on reconnaît Saint Thomas, patron des architectes, des arpenteurs, des charpentiers et des tailleurs de pierre, tenant une équerre dans sa main. Marguerite parlait de cette basilique en ces termes. C'est une véritable châsse de pierre ciselée, ajourée par d'immenses et larges fenêtres aux fins meneaux, qui ne laissent point de place au mur et qui l'inondent à l'intérieur d'une éclatante lumière. Poursuivons notre marche vers le lieu qui a éclairé notre Marguerite. Dans l'axe de la rue Émile Zola, anciennement rue Notre-Dame, et place de la Libération, en face de la préfecture, imaginons une double église portant les noms de Notre-Dame aux Nonnains, de Saint-Jacques aux Nonnains ou de Saint-Jacques au Beauportail. C'est là que le dimanche 7 octobre 1640, alors qu'il y avait une procession en la fête de Notre-Dame du Rosaire, au couvent des Jacobins, Marguerite vécut une expérience spirituelle qui changea toute sa vie. Elle avait enfin trouvé le sens à sa vie, se donner à Dieu pour toujours. Écoutons-la nous raconter son récit. En 1640, le dimanche du rosaire, j'allais à la procession aux Jacobins, où il y avait grand monde. Et comme le cloître ne suffisait pas, on traversa une rue et on repassa devant le portail de Notre-Dame, où il y a, au-dessus de la porte, une image de pierre. Et en jetant la vue pour la regarder, je la trouvai très belle. Et en même temps, je me trouvais si touchée et si changée que je ne me connaissais plus. Et retournant à la maison, cela paraissait à tous. Et pour bien signifier qu'elle n'est plus comme avant, elle poursuit. Et comme j'étais fort légère, j'étais la bienvenue avec les autres filles. Mais dès ce moment, je quittai tous mes ajustements et me retirai d'avec le monde pour me donner au service de Dieu. Je fis une confession générale et je me mis de la congrégation externe où j'étais fort fidèle et la préfète de la congrégation me dit que je devais prendre ma conduite de Monsieur Gendret qui gouvernait les carmélites du faubourg Concel. Aujourd'hui, ce lieu est composé de rues qui la traversent. Un joli jardin a remplacé les fouilles qui ont été effectuées en 2005-2006. Nous venons d'écouter Marguerite nous parler des congréganistes externes, dont elle a fait partie après sa conversion. Jusque-là, ne voulant pas passer pour bigote, elle ne s'était pas intéressée à ce groupe. Les congréganistes étaient des personnes associées, comme on dirait aujourd'hui, à la congrégation Notre-Dame.
dites aussi chanoinesses de Saint-Augustin. Elles avaient été fondées par Saint-Pierre Fourier et Alix Leclerc pour faire l'école et assister les familles pauvres gratuitement. Poursuivons notre chemin pour connaître la suite de l'histoire de la vie de Marguerite. Traversons le jardin et dirigeons-nous sur la gauche en longeant le canal. Arrêtons-nous un instant devant ce bâtiment. Où est-il? Les chanoinesses y avaient leur monastère et leur école. Venues de Vitry-le-François, elles s'étaient installées entre 1628 et 1635. L'édifice actuel n'est pas d'origine, car il a subi pas mal de transformations. Sa dernière destination était la gendarmerie nationale. C'est dans ce monastère que Marguerite rencontrait régulièrement sœur Louise de Sainte-Marie, sœur de Paul Chomedey de Maisonneuve, directrice des congréganistes, et qu'elle entendit beaucoup parler du Canada. Pour marquer sa décision de se donner à Dieu totalement, Marguerite prononcera le vœu de chasteté en 1642. Elle fut préfète des congréganistes. Elle y apprit la pédagogie de Saint-Pierre Fourier et reçut sa formation spirituelle du père Antoine Gendret, vicaire à l'église Saint-Nizier, aumônier des congréganistes et des carmélites du faubourg. Elle se préparait ainsi à sa future vie apostolique. En 1652, Paul Chomedey de Maisonneuve est venu dire au revoir à sa sœur Louise. Il lui exprime le désir de recruter une seule institutrice pour Ville-Marie. Il rencontre Marguerite. Elle s'offre comme enseignante et il l'accepte. Elle a enfin trouvé la paix dans son cœur après tant d'années de recherche de la volonté de Dieu. En effet, dès les premières heures de sa conversion, les échecs ne lui sont pas épargnés. Elle demandera vainement son admission au Carmel du faubourg Croncel, au monastère des Clarisses et à la visitation de Troyes. Les carmélites me refusèrent, quoique j'y avais un grand penchant. Je fus à d'autres, cela ne réussit pas. Faisons un peu d'histoire. En 1630, au faubourg Croncel, est fondé le nouveau couvent, sous le titre de Notre-Dame de Pitié, nom reçu par Sœur Marie de la Trinité, première carmélite de France au cours d'une vision. La reine, Anne d'Autriche, entourée des grands personnages de la cour, pose la première pierre lors d'une fête brillante, le roi ayant envoyé sa musique. En 1792, dispersion des sœurs à cause de la Révolution. Leur couvent est vendu en 1793. En 1828, les carmélites s'installent au faubourg Saint-Jacques, notre avenue du 1er mai. Le nom vient de ce que c'était la voie empruntée jadis par les pèlerins pour se rendre à Compostelle. La venue du 1er mai brûle le 1er juin 1940, ainsi que le Carmel situé à son extrémité. Un miracle. La statue de la Sainte Vierge, dressée au milieu d'un amas de décombres, est la seule épargnée. Cette statue se trouve aujourd'hui à Notre-Dame-en-Lille, dans le jardin de la propriété qui appartient à l'association diocésaine de Troyes. Partons à la recherche de l'histoire du monastère de la Visitation. L'évêque de Troyes, René de Brélay, voulant employer les religieuses de la Visitation de Sainte-Marie pour réformer les filles pénitentes de l'hôpital Saint-Abraham, profite du voyage de Louis XIII à Troyes en 1630
pour obtenir la permission de les y établir. En effet, n'ayant pas été consulté et estimant Troyes suffisamment pourvu de communauté, le maire leur avait interdit l'entrée de la ville. Ce n'est donc que le 14 mai 1631 que quatre sœurs et deux novices arrivent en carrosse et entrent dans la maison des filles pénitentes.